Regardez ce qui va se passer. Parce que tout à l'heure, là, depuis tout à l'heure, on avance. Mais et si on avançait pas avec des grenades, mais avec une gaz grenade pour tuer les gens qui respawnent, c'est ouf. Et une SMG pour tuer les gens qui me face. Et donc, ça va faire un cocktail de j'arrive au town hall, je mets une gaz grenade devant, les gens qui respawnent meurent, et je tue les gens en face de moi. Imaginez, ça marche ça. Je serais le clutcher de la guerre là. Le clutcher de Clutcher of the War. Mais en fait, j'ai même pas besoin de réfléchir. Je vais tout droit. Je vais tout droit. Ouais, j'ai même pas à réfléchir. Les gens ne savent pas où ils sont en fait. Ils comprennent pas le jeu. Ils comprennent pas le jeu. Ils savent pas comment jouer en fait. Hop. Ensuite tu push. 1, 2. Oh, oh le chien. Oh, je peux pas le voir. Oh, c'est triché, putain. Oh, il avait un trou, j'avais pas vu. Et là, du coup, j'ai tué des gens devant. C'est ouf. En plus, je suis raisable. Ah non, plus là, non. Mais là, il se passe des trucs, là. On est au temps de vol, hein. C'est gagné, hein. Ah, c'est la grange qui vous baisse. Bah ouais, faites gaffe à la grange, les gars. C'est bien, là, les gaz devant, là. Le respawn qui est baisé, là. C'est bien, ça. Ça va leur faire gaz. Oui, oui, les gaz. Gazez-le, gazez, gazez. Gazez l'entrée, gazez l'entrée. Gazez l'entrée, les amis. Bah ben ouais, je vous le dis les gars, un coup de petit push comme ça, pif paf pouf, pif paf pouf, pif paf pif paf pif paf pouf. Ah, moi je vais mettre, là il va y avoir du gaz H24, hein. Encore une victoire du dieu Mammon. Mais je vous dis, ça fait 8 heures qu'on galère alors qu'il suffisait d'avancer avec des Mammon. Je me suis transformé en l'homme Mammon. L'homme Mammon. Le Mammon n'est pas une partie de la messe, non, c'est bien l'homme, mi-homme, mi-Mammon. L'homme Mammon. Et en fait, grâce à cette technique ancestrale, faut pas s'arrêter, faut pas s'arrêter, faut croire en soi en fait. Faut jamais s'arrêter. Faut jamais s'arrêter. You never stop. You never stop. And you guess. And you wait a second. Then you guess. You kill. You take the pistol. Then you kill. You kill. Oh, c'est de la merde. Oh, c'est le pire jour de ma vie. Oh, j'ai envie de quitter la game. Comment ça, ils ont eu son palo? Mais ça, c'est leur vieille batteuse de merde, là. Colis. C'était nul. Ouais, c'était pas fou. J'avoue que j'ai vraiment déjà fait mieux. Ça, c'est bien. Vous voulez pas casser le town hall, vite fait? Juste pour voir. En vrai, juste pour voir. Vous êtes pas chaud? Juste, on casse le town hall. Et on voit si c'est marrant. Pour voir. Lui il est sorti pourquoi? Pourquoi il nous a donné un camion là? Pourquoi il aurait fait ça? Oh oui. Ouais. Deuxième canon de 40 qui vient d'arriver. OMG les amis. Directement. De quoi? Je le décharge directement ou... Ouais ouais, décharge-le, décharge-le. Ok. Ok, bah on est à l'intérieur, hein. On est à l'intérieur les gars. Sainte Mammon, la Sainte Mammon les amis, n'oubliez pas la puissance de la Sainte Mammon, s'il vous plaît, respectez la puissance de la Sainte Mammon. Respectez-la. Embrassez la victoire de la Mammon. Ils ont commencé à gaz en retour. J'ai envie de quitter la game. Non, je vous le dis, j'ai envie de quitter la game là du coup. Comme ça, nous on lance des gaz, ils lancent des gaz aussi. J'ai envie de quitter la game là. Ok, bah là c'est énormissime ce qui se passe. C'est tout droit les gars. C'est tout droit. Straightforward. Straightforward guys. Bibi la Bicrave. Mais non, c'est Bibi la Bicrave. Est-ce que vous pensez... Oh non, je meurs. Oh, je saigne. À l'aide. Y'a des bandages ici? Y'a des Mammon. J'ai connu plus glorieux comme situation. Mais Médic!
À deux doigts de me terminer, Fragouze. Pas bonne partie. Merci, les refs. Look at the Mammon, oui Mammon, oui Mammon, oui Mammon. Oui Mammon the shit out of them. Vous avez un fusil à pompe? Bah moi aussi j'ai un fusil à pompe maintenant, qui en veut? Qui en veut de mon fusil à pompe? Ah, ils sont 4000. Ils sont... Paf. Oh, c'est la pire arme de tous les temps. Oh mais qui me tire dessus? Paf. Alors le bouffe. Paf. Et voilà, on casse, on casse, on casse. On est en train de tout péter chez eux. Pétez tout. Il est pété. Yes, la maman a gagné. Victoire à la maman. Vive la maman. Putain, vive la maman. Oui messieurs, c'est gagné hein. C'est gagné, c'est cassé, c'est cassé. C'est cassé, vive la maman. Fuck le reste, vive la putain de maman en fait. Mais c'est incroyable! Prenez des mammons, vous arrêtez jamais! Prenez des putains de mammons, tout droit! Kenny, mon pote. Ouais, j'ai le deuxième canon de 40 mm qui est déployé, juste à te le laisser pour que tu le lock. Ok, j'arrive. J'ai de l'argent. T'as mis ton spawn sur la bébé? Bah moi je vais faire des allers-retours pour la logis, parce qu'apparemment la logis est bloquée à la frontière. Ok, il est là, c'est celui-ci. Ouais, exactement. C'est toi qui conduis. Tu veux qu'on le déplace à côté de l'autre ou pas? Ouais. Merci. Ouais, de rien. Ok. Il faut péter la safe house les gars, faut pas s'arrêter ici, faut pas s'arrêter en si bon chemin, on pourra jamais reconstruire si on pète pas la safe house. Il faut absolument péter la safe house les gars, vraiment. C'est hyper important. Ils vont protéger la safe house comme des ouf hein. Non. Oh là là, t'es qui toi? C'est RG 100%. Oh putain, t'as de la chance que j'ai pas réussi à te ping. Toujours les CRG qui me cherchent des noises. Ils me cherchent toujours des noises ceux-là. Allez les gars, il y a des gens qui sont dans ma squad là, qui sont actuellement sur le champ de bataille. Il faut refiler les canons de 40, il faut les amener dans la ville pour péter tous les bâtiments et la safe house. Comme ça ils ont plus de respawn et on termine la game là. Il y a deux canons de 40 qui sont posés à côté de la bébé. Jetez-les au front les gars, prenez-les et détruisez-moi tous ces bâtiments. Il y a 3 canons de 40 de dispo les gars, vous en prenez 2, ça suffit hein, prenez-en pas 4000. Mais pour l'instant, genre vraiment il faut push, il faut prendre les positions là. Nous on a un canon déjà prêt avec full munitions déjà. Bah vas-y, bah amène-le dans la ville alors, amène-le dans la ville, on protège et on tue. Bah j'aurais besoin d'un tireur. Eh ben demande à quelqu'un pour de toi en vrai. Oui, ce que je fais, je demande. Allô, Aleb. Aleb. Voilà. En même temps, il y a 3 squads de CRG pleines en face, apparemment ils sont partout sur tous les fronts. J'en sais rien. Peut-être. Ça je sais pas. Je
Sur tous les fronts, ça m'étonnerait. Hein. Ça m'étonnerait qu'ils soient plus que nous. Hein. On va l'avoir d'ici ou pas ? Honnêtement. Ouais. On nous tire un anti-char. Ouais, ouais. Tu connais quoi là ? Reculez, reculez, reculez. Vous, vous faites gaffe à vos répas, les gars. Détruisez la barne, hein, détruisez la barne. Je sais pas où il est le canon. Détruisez la barne avec le canon, hein. Avec les canons, détruisez la barne qu'elle a. On va chercher du balade. Mon dieu, tu kennis quoi? T'es vraiment trop bien d'être la kennis. Ouh! Médic, médic. Ça pêche, ça pêche. Côté, attention, attention, ça pêche à mon côté. Pas que t'es où là. Thank you, thank you. Je suis juste à côté. Bon, allez. Yes, yes. Gaz, oh, I'm dead. Il faut, faut utiliser le gaz, hein. Ramenez une gaz grenade à chaque fois que vous venez, vous ramenez une gaz grenade et puis vous la droppez, les gars. Pélo sur leur Discord, on, ils en avaient 700 au début de la War 71. Ah, on en a 1300, hein, nous c'est pareil. Hein. Parce que nous on est là depuis 3 semaines quoi, sur le jeu. C'est la différence. Donc, du coup ils connaissent quand même mieux le jeu que nous et tout quoi. Vas-y. En fait le problème c'est qu'ils ont un bâtiment qui les protège. Ouais je dirais que ça fait 3 semaines qu'on est sur le jeu. Je la tape la ferme là. Ok, lourd. Ouais, si elle tombe, on sera bien mieux. Hein. Faudrait que les gens vous aident à la mammon, je sais pas s'ils le font. Ouais, ils essayent. Yolo, yolo, prends, prends, prends des mammon. Quelqu'un prend des mammon, mammon aux enfants. Putain, ma vie de merde, vraiment. Mort, Ronan, tu peux ? Allez, 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 bientôt tomber. Allez, elle va tomber. Ouais, j'arrive, pardon, ils sont là. Oh non, j'ai gaz, attention, back, 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 tout le monde, back, 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 back. Ah, bravo, Kenny. Putain.
l'aide quoi. Ah, j'ai mis, ça arrive. Désolé les refs. Allez. On peut pas passer là. Nice, let's go. Nice. Ah, une deuxième grange énorme. Mais au moins on peut infiltrer la ville. Bah j'ai crié, je suis en mode bug, bougez de là, dégagez. Là du coup ils ont perdu une grosse défense quand même. GGKGG. BRB. Tellement heureux là. Reboys, relais boys. Ok, est-ce qu'on la reconstruit? Pas encore, mais il faut continuer là. Mammon, toute la vie, Mammon. On a plus de Mammon, faut que je prévienne. On a plus de Mammon. C'est vraiment con en fait. Tu cours plus vite quand t'as la baïonnette? Les amis, on a plus de Mammon, à l'aide. Allez, ouais, ça se livre. La Mammon Squad est perdue. Elle est en train de tomber. Elle s'est frite. Aïe. Et vous avez regardé dans les autres encampements et bunkers tout près? J'ai pas le temps, je lance des Mammon. Très bien, et bah, on va commander des gens pour en livrer. Ok, pour que je puisse lancer des Mammon, merci. Très bien, pas de problème. C'est bon, on lance des Mammon, les gars. Oui, on peut les reconstruire après pour nous, les granges comme ça. On peut reconstruire la ville après, une fois qu'on l'a détruite. Je m'arrête plus, je lance des Mammon. J'y vais pour lancer des Mammon. Oh putain, j'avais pas vu ça. Mais c'est de lire. Quelqu'un vient m'aider. Quelqu'un, Zerga. Oh non, on est plus assez. Oh nice, il est détruit, let's go. Ils pourront pas l'utiliser, c'est bon ça. Merde. Je veux pas le cadavre du mec moi. Oh non, il y a un cadavre cadavérique qui m'attaque. Merci. Il est mort.
je détruis le CV. Y'a un mec qui est bloqué là-dedans, c'est qui? Y'a deux mecs bloqués. Oh shit, shit, behind, behind, behind. À l'ouest, ça pêche à l'ouest. Ça push rien du tout. Il a... Oh, il est pas mort le tricheur. C'est un tricheur lui. Un tricheur, il est pas mort. Douk 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 douk. Un cadavre cadavérique avec des méchants mal intentionnés effectivement. Une forêt arborée d'arbres. Ah mais non, mais c'est un raid. Donc un tricheur. Il est mort. Merci. Les buissons nous tirent dessus. Les buissons, ils ont de l'IA. Les buissons, ils ont de l'IA, on peut rien faire. Raga, Raga, tu ramènes quoi, Raga? Dernier, je bouge, fais gaffe, attends. Une mammon, bordel. Je recule. Je suis de retour. Et je t'amène. Ouais, mec. Je vais au front, je vais au front. Je vais au front, vas-y, vas-y. Pardon, 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 je regardais juste ce que t'avais. Des mammons, il y a des mammons, les amis, des mammons, des mammons, des mammons, des mammons, plus de mammons, des mammons, des mammons, des mammons, des mammons, des mammons, des mammons. Prends des mammons. Citron, tu peux m'aider vite fait à bouger le camion s'il te plaît ici. Des mammons. Vas-y, vas-y. Des mammons, des mammons, des mammons. Plus de mammons. Donc là, ça il faut se tomber, des mammons. Pour ça, il faut des mammons. Mammon squad. Alors, là du coup, qu'est-ce qui m'a tué? C'est un mec, parce qu'on se faisait push par l'ouest pendant qu'on reconstruisait le CV, le truc, je crois. Mm-hmm. Again? How many guys? On est bon là, 310. Pas? Ok, ok. Ouais, ouais, ouais. On est en train d'essayer de le rebuild depuis 1000 ans. How much left, Longman? 94. Ok, nice. What's happening? Just protect, protect. Yep. On va passer là, trancher de merde évidemment. Est-ce qu'ils ont une autre grange ici? Je crois qu'ils en ont une autre. Est-ce qu'elle tire? Ouais, elle tire. Oh non. Oh bah genre, mais genre il va me down. Oh vas-y. Bah non, bah non, bah non, bah non. Oh c'est de la merde d'essayer de me le raid. Oh ouais, il a bien visé lui hein. 3 mammons au sol, 3 mammons au sol, je répète, 3 mammons au sol. Alors on a un problème, c'est que du coup, je pense qu'il va falloir que je fasse l'infanterie autour du canon, si on ramène un canon de 40. Il va falloir que je joue l'infanterie, mais là il y a moyen de faire un truc, hein. Il y a moyen de faire un truc, vraiment. Je pense que je vais prendre un stuff d'infanterie, 3 gaz grenades, et je vais juste bourrer les gaz pour empêcher... Notre canon est prêt, là, on arrive. Ok, bah avance-le dans la ville, il va falloir péter des bâtiments de défense. Nous on est déjà avec le 40 devant le tonneau qui est en train de se construire. Ok, bah il y a une grange à péter un peu plus loin, je vais avancer pour, ouais, pousser, ouais. Pour pousser l'infanterie. Les gars, ramenez du bémètre pour le civil s'il vous plaît. Prenez un peu de bémètre avec vous et ramenez-le au civil. Moi je vais pas pouvoir, j'ai déjà des ok moments. Pas de soucis, je ramène. Très bien. Ouais, je le... Je crois pas un type creuse encore des tranchées. Ouais, mais il y a un vrai truc autour du fait que... Autour du fait que les gens creusent des tranchées. Genre là, par exemple, tu as une tranchée upgrade T2. Ça sert à rien, tu vois. En vrai, ça sert à rien cette tranchée à part leur donner une pause dans laquelle ils se font pas toucher par notre IA, tu vois. Je trouve ça désolant, à force. J'aurais envie de rien dire, là. Est-ce qu'on a perdu le mec qui fait le CV, là? Don't let them come near the blueprint. Yeah, yeah, yeah.
Tire. Medic. Gameman. T'en as vu, c'est bon. Medic. Medic hier. Fais gaffe, y'a des fox solo en face. Avancez pas trop les gars, avancez pas trop. Merde, bien. Je vais protéger le. Tu touches là? Je vois pas. Ouais, je touche. Fais gaffe. Le chien, mais ça a tenté de vous rush. La gaz. Ah, je touche mon propre truc. Putain, vas-y. Ah, je suis mort. Je suis mort 50 fois. Dommage ce que j'ai fait là. J'ai touché une fois mon truc, il a réussi à mettre 3 mammons, donc il a allongé le temps. Ça va être dur hein. Derrière. L'infanterie les amis, l'infanterie. L'infanterie, vous servez à ça. L'infanterie. Mais putain, l'infanterie, vraiment l'infanterie. Va construire jusqu'à demain. Bah là ouais, quand même un sacré front de merde. Là pour l'instant franchement c'est un front totalement pété. Hein. L'infanterie les amis, l'infanterie. Là franchement je vais même pas prendre d'armes, je vais prendre juste 3 gaz. Je vais avancer au front avec mon pistolet et 3 gaz et je vais y aller. Hein. Après le CV il a tellement de... Oh je peux bouger en même temps, what the fuck, c'est bugué. Énormissime. Ah mais en même temps j'ai pas pris de gaz, bon c'est pas grave. Hop, je vais reload ça. Ah vraiment les tranchées hein, je répète hein, les tranchées, jouer avec les gaz, ouais on devrait jouer plus avec les gaz, moi j'en amène à chaque fois, je joue un peu avec mais tout le monde devrait le faire, on devrait avoir, on est tellement hein. Ah ça construit plus, ouais, on a vu ils ont repris. Est-ce que le canon est toujours à nous? Le canon est toujours à nous, le CV est immobile. Y'a un peu de trucs là sur le coin. Vas-y, back. Vas-y, reload. C'est déjà reload là ou pas? Gaz, Kenny, fais gaffe. Ok, bah lui il va prendre sa gaz instant. Oh, elle a gazé au top. Bon. Comment? Non ça va, il fait des bunkers, ça me plaît, mais on est où là? Ça peut être chez nous là. Où est-ce qu'il est lui? On est en train de se faire péter des trucs, non? On est autre chose. On y retourne direct pour ça. T'inquiète pas, on y retourne. Ah, ils sont morts. Ok, il faut que j'essaie de... Le problème c'est que les défenses là... Là les défenses elles nous gênent dans notre avancée. On a besoin d'être canon pour péter les défenses. Mais juste ils jettent des gaz grenades. Et puis vu qu'on a pas de masque on est baisé. C'est ça qui est dommage, on a pas de counter à ça tu vois. Pour l'instant en tout cas. On va en avoir mais pour l'instant on a rien. Ah cool. Pourquoi je pouvais plus tirer? Pourquoi je pouvais plus tirer là? Est-ce que je peux avoir une explication rationnelle de pourquoi je pouvais plus tirer, s'il vous plaît? Mais non, j'avais encore 14 balles dans le chargeur, j'étais bien. Les gars, le canon, venez à moi. Pourquoi je me suis arrêté? Je me suis fait suppress, y'a un truc qui s'est passé? Tiens dans le canon, s'il vous plaît. Attends, unlock-le si tu peux, ou ça. Unlock-le et tu recules. Il y en a deux à gauche,
ça rush. Le quelqu'un, pas l'ours, c'est dedans. Allez mon ref. Allez, bah, en fait c'est toi qui il est lock pour toi, du coup tu es lock à tout le monde. Ah pardon, c'est bizarre ça. De là j'ai unlock squad et. De faire le transfert de ma mob, okay. Du coup j'arrive en amont. Le sprint. Jusqu'ici. Le temps que je vous envoie un full. Non, il y a un truc qui a des pop. Il y a quelqu'un qui a pris la dernière mammon, du coup j'ai pris un short, je crois. C'est juste le temps que je ramène un camion full mammon. Allez, on y retourne. On y retourne. On galère à Fort Duncan. Fort Duncan. Je sais même pas où c'est, mon ref. Bien, les deadlines qui pushent. Là, les défenses nous posent problème. C'est pour ça que les canons de 40 sont intéressants. Sur des tanks ça aurait été mieux, parce que du coup ils sont mobiles, beaucoup plus rapides. Le gars avec le canon, vous pouvez pas regarder. Il est unlock. Mais je crois qu'il est lock. Il est unlock. Je savais pas que c'était moi qui... Mais pourtant normalement avec squad vous pouvez rentrer et l'unlock et tout. Hein, mais ouais, mais je sais pas, on pouvait pas. Trop bizarre. Ils ont cancel la reconstruction en force. À gauche. Ils sont morts du coup. Eh ouais, le gaz les gars, c'est chiant, je sais. Je sais que c'est relou, je sais. C'est de la merde, mais en même temps c'est la méta les gars là en ce moment même. Hein. Allez, protégez juste les canons les gars, faut que les défenses tombent, c'est tout. Voilà, fais péter la maison de l'autre côté, voilà, ça c'est bien ça, faites ça les gars, faites ça, nous on vous protège. Allez l'infanterie. Vas-y, on se prend un tir. T'es pas été sur le front les gars, n'importe là. Ouais, juste bourrer la maison en face là, comme ça ils perdent cette défense. Et derrière il y a une grange à gauche à péter et puis ce sera bon. Ah, il a pris un headshot. Prenez de l'espace les gars, prenez de l'espace, protégez les canons. La maison à droite là, je veux voir si elle est occupée. Faut qu'elle soit occupée tout le temps, ok c'est bien, elle est occupée, let's go. Continuez hein, continuez comme ça. Tenez la défense des canons. Attention, y'a un mec qui rush là. Ça flanque à l'est les gars, ok. 2-3 gars avec moi, 2-3 gars avec moi, pas plus. Ok c'est bon, restez là. Non. J'ai drop ma main ici. Il dit qu'il y a ou pas. Voilà. Oh non, c'est en train de se tirer dessus, il y a un mec qui a push, c'est ça. On est rough. Un deuxième sur le deuxième. Un deuxième canon sur le deuxième canon, s'il vous plaît. Il nous faut un gunner là. Checkez bien les flancs, vous collez pas au canon, prenez de l'espace. La maison là est pas prise. À l'ouest, bouge, y'a du mouvement à l'ouest. Ta maison. Ça push le canon les gars, ça push le canon s'il vous plaît. Protégez le canon. Allez péter la baraque. Y'a un médic derrière ou pas? Médic.
Faut pas que je joue le canon en fait, il faut que je joue l'infanterie autour. Merci l'ami. Je suis cornichou. Merci. Il manque un canon là, il est où le deuxième? Il est parti chercher les munitions. Ok. Vous tirez sur une maison cassée là les gars. Je tire sur le sac de sable à côté. Ah ok. Ok, you get moments. Ah. Faut qu'il give up que je puisse tirer sa maman. Je profite de la nuit pour ramener un CV ou pas pour vous. Bah justement c'est pire dans la nuit que dans la journée hein. Ouais, ok. Le CV est visible. Ok, c'est bien. C'est bien ce qui se passe, hein. On est en train de casser cette grange, hein. Si on casse cette grange, on progresse encore, hein. Oh, let's go. Elle est tombée. Ah non. Ah non. J'ai cru entendre un... Allez, elle est bientôt morte, elle est bientôt morte, let's go. Elle commence à être abîmée, là. Presse F les gars. Presse F dans le chat les amis. Une nouvelle Relic Base vient de tomber dans nos mains. Une nouvelle Relic Base vient de tomber dans nos mains. F dans le chat s'il vous plaît. F pour cette Relic Base qui vient de tomber aux mains des Warden. C'est nous. On prend les Relic Base. Il gêne toute la ville, hein, vraiment. Il gêne tout le monde. Là, ce front-ci, il y en a plein d'autres de tous les côtés de la map et il y a une nouvelle ville qui vient de tomber pour nous. Ouais, ouais, King Ghost, ça a bien bossé, ça a bien bossé. Là, ce soir, là, si on réussit à prendre ça, il faut le prendre. Si on réussit à le prendre, il faut absolument consolider cette zone. F. F, 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 F. Alors il faut la voir la grange cassée. Elle est ici. Il faut casser la deuxième grange. C'est fait, putain, let's go. Ils ont une JRPG. JRPG, JRPG, JRPG. Après c'est de la merde la JRPG, hein. Ça peut se faire péter par des. Putain. Par des armes normales, c'est fort contre la logis mais sinon c'est de la merde. Les colos passent trop de temps sur les streams, ils oublient de jouer.
Non, t'as pas quand même. Tu sais qu'il y a plein de colos respectables en vrai. Hein. Là, ils sont pas co, mais. Je veux dire. Y'a plein. Passer un hôpital. Kenny, il faut que je te dise un. Dis-moi, bref. La droite du town hall. Y'a quoi? On a réussi à push, tu vois, il y avait plein de fox hall sur la montagne. Ouais. On les a tous détruits. Il reste plus que la maison du coup qui tire et normalement il y a plus de défense. Mais la maison juste après le town hall? Quoi? C'est la y a une maison juste après le town hall, tu pars de cette maison? Ouais, il reste plus que celle-là normalement pour défendre. Et elle est cassée, hein, je crois. Hein. Sont tombés, oui, qui était au-dessus. Elle est cassée. Je crois pas. À moins que vous l'ayez détruite. Ouais, elle est détruite, hein, celle qui a juste après le tonneau. Les granges au pluriel et la maison devant, c'est détruit. Hein. Ok, d'accord. Bah, on a clean aussi les foxholes qui étaient sur. Vas-y, hein, go push là-bas, on monte et puis on commence à les taper de partout, ouais, en même temps. Bah, on a déjà commencé à monter en vrai. Je sais pas si. Bah, mec, je te suis. Montre-moi. Ça marche. Ils ont repris le contrôle des tranchées. Oui, mais ça après. Issou. Balancer une gaz grenade, il n'y a plus de contrôle de tranchée. Hein. C'est sûr. Merde, ils ont réussi à faire push. Et en gros, les fonctions sont détruits à ce niveau-là. Vas-y, tire, je le suppresse. Oh, bref. Et c'est bon, t'inquiète. Nice. Donc là ils ont juste remis dans les tranchées, mais il n'y a plus de foxhole quoi. À l'aide, pêchez-le. Ah dommage. Moi franchement dans ce genre de moment j'aime trop prendre l'initiative, un pote est focus, paf tu rush le gars, tu le rush vraiment. C'est terminé hein. Si t'arrives à rush ça. Je vais ramener une gaz grenade là pour dégager le contrôle des tranchées là. Il y a une baïonnette, faites gaffe hein. Ah tant pis, j'abandonne. Ok. Il est lock celui-là aussi ou pas? Sorry, second. Allez, Supreme, allez. Regardez bien. Sortez des tranchées. Pourquoi je peux pas tirer mon ref? Mais what the fuck? Mais je peux même pas tirer! Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Je suis collé à lui! Et le mec il est là en mode il peut pas tirer! Mais putain! J'avais fait mon move, il était parfait! Mais putain, mais lui c'est qui? C'est McGregor! Arrêtez-le! Arrêtez McGregor! Il va tuer quelqu'un! Il a encore what the fuck! Il a encore enchaîné un mec à main nue! C'est un ouf! Fais gaffe, gaz. Wouah, heureusement que t'es arrivé! C'est avec McGregor, il va demi. Ok, je drop mon stuff, je m'équipe. Je reload et on y va. Ah, j'ai bien fait de ramener ce camion. En fait, ce camion, tu l'utilises pour tout détruire les tranchées là-bas. Tu roules juste dessus, ça fait péter les tranchées.
Ouais, c'est un ouf. Par contre, il a eu de la chance que je puisse pas tirer, parce que moi j'ai fait exprès de prendre mon flingue pensant lui faire un petit pouf pouf et le régler. Sauf que j'avoue qu'au corps à corps, c'est deux coups pour péter. Donc en fait, en vrai, j'aurais mieux fait de prendre. Pourquoi on a peur là ? Y'a vraiment un mec en haut de la muraille là ? Oui, oui, c'est totalement le cheat code des coloniaux, hein, je tiens à le dire. Voilà, c'est le mur depuis lequel ils peuvent se mettre et nous on peut pas traverser, c'est énorme. Bienvenue, bienvenue chez les Warden. Ils ont la muraille de Chine, regardez, ils peuvent être là et nous pas nous. Alors, c'est ouf, hein. Ch'tahek. Je pense juste qu'en gros il y a des trous comme ça et ça protège leur ligne de logis. En vrai, c'est ça, c'est de la merde par contre. Imaginez, je meurs contre un pistolet. Avec une vraie arme. Ah, y'a pas de médic. Aïe, 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 aïe. Tu veux un bandage ? Pitié. Bon, j'arrive, Renan. Mais putain, il est vraiment sur la muraille. Je croyais que c'était une blague, ce que je disais. Je croyais vraiment que c'était une blague, ce que je disais. C'est pas une blague. Ils peuvent être sur les murs et pas nous. Et nous, on a pas ça de notre côté. C'est pas une vanne, en plus. Il est vraiment sur la muraille. Je croyais que je racontais des cracks depuis tout à l'heure. Vous avez la même chose, on a quoi ? Les mecs, hein, commencez pas à économiser. Il est 19h, on a 500, les gars, c'est pas même moi. C'est où ? Foxol, Foxol, à droite. C'est où la même chose chez nous ? Ah, tu m'étonnes qu'il nous a fumé, le mec, il est actuellement au 20ème étage de son immeuble. Withered Expanse. Bah, j'avoue que je suis jamais allé dans cette zone, donc j'avoue que je connais pas. Mais est-ce que toi, le mur, il fait genre ça ? Voilà. On a des smokes, les gars. Paf, 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 paf. C'est le mur, ça ? Ça, c'est le mur, ça. Hein ? C'est ouf, quand même. Hein. Je trouve ça ouf. Ah, ça, par contre, je trouve ça ouf. T'as parlé de nuke, la guerre d'avant, c'est genre des vraies bombes nucléaires ? Ouais, c'est des vraies bombes nucléaires. Après, c'est des bombes nucléaires à l'échelle d'un jeu vidéo avec un équilibrage. Donc en gros, tu pètes pas toute la map, tu pètes 80, tu pètes 160 mètres en rayon. En diamètre, pardon. 160 mètres de... What the fuck ? Il est en train de faire de la breakdance. Ok. Foxo, là, en est, les gars. Moi, c'est très difficile, très très difficile parce qu'ils ont un mur sur lequel ils peuvent être sur la muraille et nous on peut pas y être en fait. En gros, c'est très bizarre. Kenny, t'as des jumelles sur toi ? Non, j'ai pas. Ok. Mettez votre spawn ici, hein, les gars. Il y a des shirts. Non, y a pas encore les shirts là. Ah ouais, bah faut attendre les shorts. Pense à voter, c'est très important de voter. C'est rebleu les amis, regardez, c'est rebleu cette zone. La safe house les gars, c'est ça l'objectif. Ça c'est pas mal par contre. Ça touche bien en vrai, hein. Go tout fortifier, c'est win. Bah après il faut l'IA quoi. Il nous faut des shirts et l'IA quoi. Est-ce que tu vois des foxes ? Est-ce que tu vois quelque chose ? Rien du tout. Est-ce que quelqu'un a des jumelles qui vous plaît ? Bien joué, let's go. Propre ce qui est en train de se passer.
sais que je vais y aller avec des mamones. Hein. J'en ai plus rien à foutre. Hein. Je vous le dis. Mon niveau de bas les couilles est approximativement à, je dirais, 9,5 sur 10 actuellement. Mon niveau de BLC, c'est mon indice BLC en fait. Mon indice BLC qui se situe actuellement à 9 sur 10. 9,5 sur 10 même. Vous, votre indice de BLC, il se situe à combien à peu près? Moi, je suis à 9,5 sur 10 là. Ouais, je comprends. Oh, j'avais jamais vu ce mur, je suis scandalisé de voir ce mur. Franchement, je suis scandalisé, je suis outré. 12k environ. 12 000, c'est énorme. Cringe sur 10. Hein? Comment ça cringe? Attention, les mots anglais, c'est pas toujours évident d'en comprendre le sens. Toujours évident à utiliser, je comprends, mais quand même. Je vérifie s'il n'y a pas des mammons quelque part sur un cadavre. Oh, des binos, messieurs. Ouais, il faut une wrench, s'il vous plaît. Une wrench? Une wrench? Il te faut une wrench? Quelqu'un voulait des jumelles? J'ai des jumelles. Attends, je te soigne. Allez, bon, jumelle sur moi. Désolé. Abyssal, on devait reculer. Il y a un camion en sud-est. Les gars, il y a du PMAT dans le. Il y a du PMAT. Prenez-en et construisez des trucs. Allez, du Foxhole. Et où il doit Ok, la safe house. Vous savez que vous pouvez hit la safe house d'ici, hein. Ah, mais avance. On va voir. Ouais, elle est juste à droite, hein, au top de la colline. Je vous le ping. Okay, ouais, en haut de la colline. Après, bon, c'est pas en sécurité, mais. Je sais pas si elle est en bas. Merde, si merde. Désolé. Faut la voir, quoi. Oh merde. J'ai dit TK. J'ai okay. Des jumelles pour toi. Danger, les gars, danger sur le S-Sud-Est. Ne bougez pas les camions, le canon, mais par contre, l'infanterie, s'il vous plaît, protégez le flanc S-Sud-Est des canons, s'il vous plaît. C'est où c'est. Le ping. Juste là-haut, regarde là-haut, tout, là dans l'angle du canon. Si, il est tiré là. Et la monteur, ouais, c'est bon. Pike. Ok, je vais la mammon. C'est bon, vous couchez les gars. Couvrez nous derrière, couvrez nous. Allez, go. Est-ce qu'on réussit à avancer là ou pas? On a la vide. Yo, what's up? Moi, j'ai pas long pour être là. Me tuer. Ah, vous touchez la colline là. Il y en a un des deux qui touche la colline, les gars, qui touche pas la safe house. J'ai des binos sur moi, Fragouz. Oh. Alors peut-être, mon ref. Médic. Dis crabe là. On rentre pas dedans, sinon je peux pas le poser. C'est bon là? What's that, Bright Stalker? Attends, vas-y, je te dis quand je tire. Vas-y, tire. Faites maman Ben Ride. Bug! Allez, on va y aller, tout défoncé. Gaz. Vas-y, il en reste deux, Kenny. Drive. Thank you. Gaz. Oh, je suis mort, putain, oh, chier. Non. Bah pareil, je pense que je suis mort. Ouais, seulement, s'il te plaît. Continue de tirer. Tu peux tirer là? Le kit derrière. Essaye de nous redire
Comment, les gars, les pros du jeu, comment je fais pour vérifier les HP de la safe house? Comment je sais combien de pourcents elle est? S'il vous plaît, dites-moi. Les pros du jeu, je veux savoir. Marteau en main, et je la regarde. Et je peux la regarder de loin ou pas? Ok, faut que je sois à côté. Ok, j'y vais. J'y retourne. C'est possible hein, que ça tombe, hein. C'est possible que ça tombe avant que je me casse, hein, les gars. Hein. Parce que là, on live depuis longtemps, donc on a bientôt fini le live, mais... C'est possible que ça tombe avant que je parte manger et que les gens commencent à build, comme ça on se met bien ce soir et on a un nouveau truc. Hein. Au pire tu la rush. Ouais mais bon là j'ai des gaz-grenades et tout, je vais d'abord bien dépenser mes grenades, bien rendre ma vie utile. Ouais le marteau faut que je le mette en mode upgrade comme ça. Effectivement tu peux switch le mode, en profiter. Alors ouais je vais pas me mettre en danger. Essayer d'avoir des infos sur les HP de la base. Elle est à 38%. 38%, 38%. Trente-trois, allez, let's go. 33%. On a plus que 14 munitions en tout dans les deux camions, on a 7 dans chaque camion. Dans la mémoire de l'intérieur, Kenny, en fait, c'est une... elle a la protection anti-explosion là. Ah merde, je savais pas. Prends de l'intérieur, from inside. C'est le dernier pourcentage qu'on va mettre de l'intérieur. Le traité de racaille là. Allez, y'a moyen les gars, y'a moyen. Dernier obus. Dernier obus, je back et on revient vite, on est là dans 3 minutes. Écoutez-le s'il a à dire. Bah, vous êtes ensemble, non? Je vais la baïonner, tu m'as détruit. Ouais, mais je peux pas savoir, frérot, je suis désolé. Tu passes devant moi alors qu'il y a des mecs en face, je suis vraiment désolé. Avec la baïonnette en plus t'aurais fait un carnage, je suis vraiment sorry frérot. Je vais y retourner mais le problème c'est que si ça tire plus ils vont réparer, alors je me demande à quel point ils vont réparer. Allez. Non mais vas-y mais prends les mammons, ça lag. Ah, faut vraiment que j'attende qu'elle pop dans mon inventaire. Ok, j'y retourne, je vais lui lancer 3 mammons. Si l'infanterie continue de faire son taf autour là, de bien spot, de bien tout détruire, il y a une fondation à péter à la main et tout, si tout est bien pété, la safe house tombe, on rebuild, c'est fini, c'est terminé. C'est une fin d'histoire pour cette ville. Fin d'histoire et salt caps encore plus en sécurité que moi. Oh, bro, pas du tout. Je crois qu'ils vont réparer là, ça va être dur. Hein. Sinon j'ai du RPG qui arrive dans 30 minutes. Ah le RPG c'est du lourd ça. Ah, j'ai entendu un truc péter, j'ai cru que c'était la safe house, j'étais content de fou. J'étais vraiment content de fou. On revient mon capitaine. From the inside the mammons. À l'intérieur, tout le monde à l'intérieur. Ouais, sur le coffre. Le coffre en métal, les gars, le coffre en métal à droite. Oh, cool.
J'en occupe deux. Quelqu'un a marqué pour checker la ville, les gars. Le coffre en métal, le coffre en métal, à droite. Non! Thank you. Aïe, 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 aïe. MDR, regardez, regardez, regardez! Stoum, stoum. Macron! Destruction! Oui, 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 oui! Allez, on y est presque, il faut ramener des mammons encore, ramener, 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 ramener! Et du coup, si on détruit cette safe house, il respawn ici. Dommage. Faut qu'on y arrive, faut tenir la, faut tenir ça, il faut, faut tout péter. On en prend 10 et on y retourne vite fait. 185 en haut, 185. Ouais, mais on n'a pas le temps les mecs, hein, là, ça va tomber là. On n'a pas le temps là, il faut, faut vite y aller. Let's go, let's go. On prend ce qu'on peut et on y va. Après, s'il y a du monde qui veut prendre un camion et nous ramener un duo. Why not? Ok, nous on en a une dizaine et on y va. Ce mime avec Macron me termine par contre. C'est tellement dommage qu'il n'y ait pas les mastodontes. Je sais pas ce dont vous parlez. C'est tellement, ça paraît contre-intuitif de voir la safe house littéralement envahie par l'infanterie. J'aurais imaginé être détruit uniquement par l'extérieur. Bon non, ça marche comme ça, ouais. Oh, let's go! Ouais, la fête, la fête! GG boys! GG my man! Ouais, elle est détruite! Bouge de là, toi! Bouge de là! Bouge de là! Ah, je meurs à l'aide! Médic! Yes! Merci les gars. Je comprends rien mais je m'amuse. Ouais. Oh là là, let's go. Lui, alors peut-être. Ah, gaz. Attends, faut que je le tue à la mammon. Je le rush dessus. Il va là. Ya. Je l'ai eu. Oh, je suis pas mort. Je croyais que j'étais mort. Dommage. Ah, il va me tuer. Non. Il me ramasse. Oh le ref. Le ref de fou. Medic somewhere, please. I got plasma but not medikits. J'en prends. Ah bah nickel. Nice. Merci ma gueule. Merci mec. Oh, let's go, c'est du lourd les gars. C'est du putain de lourd. Kenny. Ouais. Est-ce que j'ai regardé assez la publicité pour intégrer le KGG? Je sais pas, ça t'a converti mec ou pas? Ah mais complètement. Je suis là hein. Bah, bienvenue chez nous mon ref. Merci monsieur. Regardez le message que j'ai posé tout à l'heure. Sub Bootnap, we're coming for you mate. Il y a 7 heures que j'ai mis ce message. Oh, c'était usant. GG.
Mais oui. Pas l'heure de la pub? Je suis pas sûr. Hein. J'ai vu, j'avais pas fait gaffe, c'était toi. C'est moi qui ai mis ça. J'ai mis sub boys. Coming. Ok, voyons voir, je peux poser mon spawn et tout ici? Est-ce qu'on a des shirts? On a très peu de SS, mais vas-y. Là, it's time to build. It's time to build, 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 guys. Maintenant, faut construire, les amis, faut construire. On se tout l'île. 7 spawn. 7 spawn, vote for garrison and build defenses. Y'a moyen d'avoir une invite pour le régiment, Kenny? Bien sûr, avec tout ce que tu m'as fait cet après-midi là. Ah, derrière mon canon là, c'est ouf. Allez. Allez, petite pub pour fêter ça les gars. Vous avez déjà imaginé pouvoir vivre une vraie expérience de joueur, trouver votre place, faire partie d'un groupe? Alors saisissez votre chance et rejoignez le KGG. Des experts disposés à devenir vos formateurs pour l'espoir d'une guerre Warden gagnée. N'attendez plus, les Warden ont besoin de vous. Le KGG pour une guerre éclair. Bah oui, bien sûr. Bien sûr qu'on est là. On est en route. Nico, vas-y, va poser le watchtower, je sais que t'aimes ça, toi. Ouais, Nico. Razor. Vas-y, là, une fois la vision, on a plus de vision. Allez, ça va, mon gars. Merci. Vas-y, s'il te plaît, merci, Nico. Cherchez dans ma hutte. Alors, voyons voir. Alors, c'est assez marrant. Surface not suitable, ok. Mais là, dans le champ, c'est bon. Ouais, mais en fait, il dit qu'il est pas connecté à une base, mais c'est parce qu'il y a pas encore l'IA, mais en vrai. Là, je suis à combien du safe house? Je suis à 53 mètres, donc on est bon. Là, c'est en train de détruire les dernières défenses. Ah mais attendez, on a pushé un bunker ici, mais ça veut dire que... On a l'IA ici, putain, what the fuck, c'est ouf. C'est en train de bourrer, oh ils ont une bébé ici, oh c'est pas terminé les gars. Kimi, tu pourrais demander un resupply d'obus de 40, on est en train de bouffer ça comme des petits pains là. Ouais, il reste une bébé à détruire, hein. Il reste une bébé, elle est toute petite, elle est pas terminée. Hein. Ok, on va s'en occuper. Elle a très peu d'IA. Si elle en a. Elle en a même pas. Elle a même pas de rifle garrison, rien. Faut péter la maison et puis c'est bon. Péter la maison, on pète la bébé, c'est réglé. Allez, vers où tu peux la ping s'il te plaît sur la map? Ouais. Bah en fait, tu vois la maison là, sud? Vous tirez sur une maison là? Non, là on est au rifle, on est au bunker. Bah ceux qui tirent sur la maison, vous allez indiquer où c'est et la bébé est juste à gauche. Elle est collée en fait. Elle est collée à ça. Okay, et y'a aucune rifle garrison, y'a rien dessus actuellement. Ok, je vois. Je l'aime trop ce mec, il est trop saucé, il est trop gentil et tout, c'est incroyable. Hein. Jure. Hein. Trop ce mec. Très bien, ok. Sinon, il écoute tout ce que je lui dis, c'est une crème. Trop fort. Ok. Pas grand chose, hein. Des obus? Non, c'est pas des obus.
Déconstruire ça aussi. J'avoue que ce jeu me chauffe beaucoup, Kenny, depuis beaucoup de temps. Tu conseilles quoi si je me lance? Genre, quels sont les objectifs pour progresser? Pour moi, tu devrais t'investir dans une des parties du jeu, que ce soit logistique ou le front. Quand je parle de front, je parle pas juste du front, je parle de plutôt faire du tank, plutôt faire de l'infanterie, ce genre de choses. Et tu devrais dive un petit peu dedans, poser des questions, te renseigner et apprendre à bien faire ce truc-là. Et à côté, tester un petit peu plein d'autres trucs. Genre le truc qui te chauffe le plus, qui te donne le plus envie, que ce soit l'infanterie, parce que l'infanterie c'est hyper dur à jouer. C'est probablement l'un des trucs les plus durs à jouer en vrai. À bien jouer en tout cas. Parce que ça se voit la différence entre une bonne infanterie et une mauvaise, hein, clairement. Et du coup, ouais, tu peux tester plein de trucs. Moi, je te dirais de tester plein de trucs pour avoir une bonne vue d'ensemble de ce à quoi comment fonctionne le jeu. Il y a 3 mecs en train de... Il y a 3 mecs quoi ? Il y avait des wagons, il faudrait passer par la gauche. On va clear. Dans 10 minutes, dans quelques minutes, il n'y a plus d'IA de toute façon. Ils sont en train de build des défenses justement sur la bébé dont je te parlais. Ok, on se dépêche de refile, désolé, c'est un peu lent. On est en train de mammon la bébé là. Non, merci. Medic ? Y'a rien dans le camion là. Ah. Leur truc, hein. C'est vraiment à chier. Hein. Il est tout seul, Miskin. Tout le monde l'a abandonné. Oh, ça m'en fait trop de peine. Hein. Les CRG, vous êtes des chiens hein, de l'avoir abandonné. Ils sont tous partis, les CRG. Il reste plus que lui là. Miskin, ils sont trois. Miskin, ils sont trois, putain. C'est quoi le Ferro 879? Merci. Attention, il y a une rifle qui peut nous tirer dessus de l'intérieur. Hein. Ici, les gars. J'ai ma baïonnette prête. Ah, j'ai plus de place, mec. Attention à la rifle, elle peut te tirer dessus. Attention, mec. Vas-y, viens par là, il y a des foxholes. Sud. Il y a des foxholes sud. Tu l'as battu. Trop marrant. Mais pourquoi on devait le laisser partir? Il s'est rendu gentiment là. Ah ouais, pas vu. Allez, il nous reste que deux bâtiments à gérer, les gars, c'est tout. Hein. J'ai pas besoin de rater les conventions de jeu. Oh, attention, un mec qui vient de rentrer. Le mec que t'as laissé partir, il vient de rentrer dans le rifle Garrison là. Oh là 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 là. Super. Hein. Super. Non. Ah non, c'était pas lui. C'était pas lui. C'est ça.
Regardez, on est sur leur bébé. Ça me termine vraiment par contre. Il m'a tué. Yes, elle est tombée, c'est bon. Ah bah ouais, en plus maintenant on va pouvoir utiliser leur mur contre eux. Hein. On va carrément pouvoir utiliser leur mur contre eux et ça c'est très bon ça. Ça c'est très très bon, une excellente nouvelle. Ça veut dire qu'il suffit de poser une grosse bunker base ici, une sale bunker base avec une bonne safe house. C'est game. Vraiment game. On va bientôt l'IA là-dedans. Voilà, je crois qu'on arrive au bout les amis. Je crois qu'on arrive au bout de ce front. Putain, il aura duré toute la journée, mais on aura repris un nouveau territoire. Et la map se bleuit un peu plus de jour en jour. On a eu des moments de doute quand même. Mais là, vous voyez, là, cette map, on a commencé avec ce territoire-là. On a push ces trois trucs-là. Oh, ils sont tellement push au sud, par contre. C'est très grave. Et bah du coup, c'est fait. Hein. Du coup, ça, c'est fait. Ouais, on est bien. On est très bien. On est très, très bien, même. Oh, ce Coastal Gun qui nous mettrait trop bien si on prend cette ville. Là, le Coastal Gun, il protégerait tout ça, là. Enfin, ce serait incroyable. Ce serait vraiment incroyable. Du coup, ça veut dire qu'il pourrait plus faire passer le bateau vers là, comme ça. Ni de haut en bas, mais en même temps de haut en bas, c'est chez nous. Donc en gros, là, le Coastal Gun, ici, il nous mettrait trop bien, il protège toute la berge, ici. On galère au pont de Merci, nous. Merci. Merci, Sveil. Ou merci, Sveil. Merci. De rien. Où ça? Ah, merci, Zwish. Ouais, normal. Normal que vous galériez, les gars. Mais là, dites-vous que Lockmore... C'est une énorme ville logis de eux. C'est genre le Rogmaran. Si ça tombe. C'est la fin les refs. Hein. Ah non, c'est pas une Rogmaran. C'est un... Ah non, c'est pas un Rogmaran. Ça, c'est un Rogmaran. Ah, c'est beaucoup plus loin, effectivement. Ouais, mais là, c'est vénère. Hein. C'est vénère la map, comment elle est bleue. Hein. Ça joue bien. Hein. Franchement, ça joue bien. C'est solide. C'est chez moi, Ogmaran. Ah bon. Et là, du coup, tu vois, par exemple, t'as un town hall ici, un town hall là. Si là, c'est coupé ici, ça veut dire que ça et ça, c'est bleu. Ça et ça, c'est bleu, ça veut dire qu'on peut reconcentrer le front ici. Et puis voilà. Et en gros, là, va y avoir des percées. On va tenter de prendre toute cette île. Oh putain, c'est incroyable. Si on a tout le territoire de l'Est, ça serait dingo. Attends de voir quand les chars sont là. Ouais, ça va changer, évidemment, parce qu'ils ont des... Ici, on peut avoir des technologies plus fortes qu'eux et inversement. Donc, il peut y avoir... On leur roule dessus sans véhicule. Ah ça par contre c'est clair que là on leur roule dessus pour l'instant. Il y a vraiment pas photo. Hein. Faut pas se cacher. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Après... Depuis le début, le front de l'Ouest, il y a 2000 morts par heure. Ça a pas bougé d'un pouce. Ouais ça doit bien jouer là-bas en vrai. C'est un souci d'équilibrage? Non. En vrai non, je crois pas. Hein. Peut-être, en vrai peut-être, comme j'ai dit tout à l'heure, je l'ai dit, ça se trouve je suis une mauvaise foi en fait. Parce que je me rends pas compte moi de mon côté, qu'est-ce qui est broken chez nous. Mais là par exemple on a passé une pause qu'on n'était pas censé passer. On a passé la pause où ils avaient le mur chez nous et là j'aimerais bien tester ça maintenant que c'est safe ici. J'aimerais bien voir à quoi ça ressemble de monter sur ce mur. J'aimerais bien voir moi. Parce que de leur côté en fait, comment ils font? What? Ah ouais d'accord. C'est n'importe quoi mec. C'est tout bonnement n'importe quoi. What the fuck. Qu'est-ce que c'est que ça? Comment ça? Mais comment ça les refs? What the fuck. Il y a des zones similaires chez côté Grand. J'aimerais bien voir pour le coup. Je suis curieux. Oh.
C'est n'importe quoi. Et là, du coup... amener un autre pan de mur. Ah ouais, ok. Le truc, c'est qu'on avait zéro supply. Vu que les lignes sont coupées, donc ni masque à gaz, ni grenade, ni bébête, ni île. De quoi tu parles? J'étais en face sur ce fond, ça t'intéresse. Ah, ok. En vrai, vous aviez quand même pas mal de trucs, hein, excuse-moi, mais il y avait de la logique qui arrivait. Hein, à détruire avec les canons. De quoi? Avec les canons. Il y a quoi à détruire avec les canons? Bah, je sais pas, je vais regarder, mais à mon avis, c'est presque clair. Okay, okay. Pour moi, c'est clean, hein, mais... des watchtowers principalement. Là vous allez sur la route. Oh c'est bien, je vois tout qui est en train de péter là, c'est lourd. Putain c'est incroyable cette zone, elle est trop stylée. On se croirait genre en Asie. Pas comment dire. Mais genre là cet endroit là, je sais pas, il a des vibes Domo. Je suis japonais. Domo. Pas pourquoi, j'explique pas pourquoi, mais je ressens ça. Vietnam. Ouais, un peu, je sais pas. Je sais pas, je domo. Ouais, des watchtowers, je vois des foxholes un petit peu éparpillés, mais c'est des foxholes sans défense. Okay, un mec qui arrive sur la route. On s'arrête pas. Continuez le push, en même temps, hein. On s'arrête pas parce que comme ça on peut laisser la team build. Je vais déléguer une team build dans la ville parce que je le sens pas l'histoire. J'arrive. Le push s'arrête pas là, le push s'arrête pas. Les boys, vous savez où est-ce que je peux trouver la team build ici ou pas? Pas ici. Ouais, pas ici, mais... Faut que t'essayes de trouver poisson. Ok. Ouais. Je sais pas où est-ce qu'ils... Mais ils sont dans un tunnel invisible. Donc, Ouais, mais moi je vois tout sur le Discord, donc... Ouais, non, mais justement, toi tu pourrais peut-être voir où c'est, quoi. Mais non, pas parce que je suis le boss, en fait. Ouais, c'est bon, je vois où il est. Je vais le trouver. Salut. Bonjour Kenny. Comment vous allez? Super bien. Bootnap est à nous. Nous allons mieux depuis à peu près 10 minutes maintenant que je viens de raqueter le KGG de... combien de caisses? 6, 7, 8, 9, 1050 caisses. Mais ouais, mais attends. Ok, bon, je vais rien dire. Mais on a pris Bootnap. On continue le push, ça s'arrête pas. Poisson, bien sûr. Est-ce que tu peux envoyer déléguer 2-3 personnes du build pour consolider Bootnap ou pas? Ouais, je vais m'occuper de ça, ok. Parce que Bootnap, on continue de push, gens. On s'arrête pas. Mais en fait, du le coup, c'est que les gens qui build sont pas dans cette zone là et il y a 74 de Q. Donc... Attention. Écoute, en outre. Mais à fortiori, par pitié, votez pour les upgrades d'IA sur ce que vous prenez, parce que il y a des fois vous le faites pas et du je coup. Je comprends rien à ce qu'il dit. Moi, je lance des mammons, c'est tout. Moi. Je comprends rien à ce qu'il dit, ce mec. Votez. Bah bravo à tous, c'est beau. Putain, on s'est battu. Hein. Franchement, je suis là depuis midi et demi, non 13h30, allez, 13h30. Je suis là depuis 13h30 à me battre. L'arrivée de la technologie des gaz grenades qui nous a ralenti pendant 4 heures. Ah mais là on est en WR c'est un WR là pour l'instant. C'est pas 2,2 le plus court, j'ai vu. Ouais mais attendez, on n'y est pas encore. Et puis 2,2 il y avait combien, il y avait 10 contre 1 là non pendant cette oui, guerre. C'est ça, c'était la guerre numéro 39 je crois. Bon, c'était un 10v1, c'était énorme. Par contre, Kenny, tu veux pas nous remettre une pub de recrutement du KGG là? Ah si, bah justement, d'ailleurs, j'y pensais parce que je dois mettre mon rôle vite fait là. Donc, page de pub vite fait, les gars. Vous avez déjà imaginé pouvoir vivre une vraie expérience de joueur? Trouver votre place? Faire partie d'un groupe? Alors saisissez votre chance et rejoignez le KGG. Des experts disposés à devenir vos formateurs pour l'espoir d'une guerre Warden gagnée. N'attendez plus, les Warden ont besoin de vous. Le KGG pour une guerre éclair.
Oui, voilà, problème réglé, problème réglé. Parfait. Qu'est-ce qui s'est passé ? Non, non, mais du coup, on a une conversation qu'il faut pas qu'il passe en live. Ah, pardon, désolé. Ok, bah, NP, du coup, NP, 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 NP. Si par magie, va savoir quelle magie tu arrives à faire avancer des gens, l'endroit que je t'ai dit, c'est ouf. Voilà, je le dis, c'est ouf. Bah, je vais essayer, mais. On va essayer. D'accord, pas de problème, je vous aime. Nous aussi. Bisous. Bisous. Ok, bon, je vais continuer, je vais rejoindre les gens. Ça se tombe ça avec cette pub, non ? J'ai fait full tune, mec. Yo, tu peux drop 2 secondes de ton camion, juste pour voir un truc ? Ah ok, non vas-y c'est bon. Vas-y c'est bon, c'est bon. Vous êtes partis où les refs ? On est loin, devant. À l'ouest ? Ouais, on va vers The Bath. À l'ouest, ouais. Ah ouais, direct ? En vrai, sud plutôt les gars. Hein. The Bass, ignorez. Hein. À mon avis, ignorez. Hein. Ça, The Bass, ça va tomber tout seul. On est au Y de The Bass et le truc au sud. Ouais, bah checker vers... On va vers Cold Drifter ou pas ? Oui. Plus vers là, les gars. C'est l'endroit qu'on doit push. Dites-vous que The Bass, ça va tomber logiquement avec tout le reste autour. En fait, ça va être un château de cartes. Tu vois, là, on est en train d'enlever petit à petit les petites cartes en dessous. Et quand il y aura plus assez de cartes, ça va simplement s'effondrer. The Bass, ils pourront rien faire. Et normalement, ça devrait être bon pour Bootnap, ça va construire. Et il faudrait des gens, d'ailleurs, c'est des gens qui sont déjà là, qui prennent du BMAT, qui en ramènent et qui commencent à build, les gars. Il faudrait commencer à build. Ça s'arrête pas. On s'est arrêté à une ville pendant 6 heures, mais ça s'arrête plus maintenant, c'est tout droit. Il y a plein de maths dedans. Pas en premier, on passe pas en premier, laissez un peu les gens. Ok, il y a une bunker base, il y aura une bunker base sud-ouest les gars, il y a une bunker base sud-ouest, donc à droite de la route. Ok, go, on avance sud-ouest, reste sur la route. Par contre, faudrait rebuild de la défense. En fait c'est au niveau sur la map, au niveau du pont, du harbor. Ok, c'est une grosse bébé les gars. Grosse bébé en face de nous quand même. Hein. Pas daté mais grosse bébé tout de même. Il faut beaucoup de shell pour casser ça. T'inquiète pas, on en a 100 sur nous. Bah avancez parce qu'ils peuvent rien faire actuellement. Je vous le dis, ils peuvent rien faire, faut enchaîner les gars. Allez l'infanterie, on se met en protection sur les canons, ils vont arriver. Vous êtes bientôt prêts pour tirer ou pas? On tire actuellement. Je vois pas où vous êtes, putain, c'est scandaleux. On a pas de respawn close. On a pas de CV ni rien. On est un peu tout seul là maintenant. On est à l'est du support. Ok, la bunker base est réveillée. Alors oui, il y en a une au nord qui est gigantesque. Et d'ailleurs on a un CV, il est pas à nous celui-là, c'est ça? Non, je pense pas. Abyssal, reviens derrière, va sur l'autre route. C'est celle au nord qu'on vient de péter là, Kenya, je crois. Hein. Tu me confirmes sur ta carte ? Non, c'est pas la bonne. Elle est beaucoup plus au nord. C'est une grosse bébé dont je te parle, vraiment une grosse bébé avec full défense, plein de joueurs là actuellement. Et le problème, c'est qu'on a pas de respawn ici, donc là c'est un petit peu. C'est compliqué. Tu vois, on commence à ramener un CV. Ok. Avec un CV, on peut reconstruire ce qu'on a à côté, mais le temps qu'on ait l'IA et tout, c'est pas évident. On retourne sur la burger base, du coup la grosse que tu nous as donné, on va s'en occuper. Bien dommage. Tu vois quelque chose ou... Y'a rien qui a de fuel ici. J-
juste essayer de PVE leur, leur défense. Mais faites gaffe, il y a notre flag gun qui a perdu juste à droite. C'est bien ce qui se passe, c'est bien ce qui se passe. Allez, suivez-le, 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 suivez-le. Allez, quelqu'un avec lui. Non, il prend une shrapnel. Allez, quelqu'un, quelqu'un, quelqu'un. Ça recule, ça recule. Someone, someone, someone avec lui, avec lui. Ça me paraît compliqué. Ok, ils sont probablement en train de build ici. C'est énormissime ce qui s'est passé les gars aujourd'hui. Quel front de fou, on a fini par gagner. Là ça va push tranquillement, je pense que ça va amener un CV. Ça va enchaîner, d'ailleurs je devrais peut-être créer un map post vite fait pour tenir au courant les gens. Je reviens rapide hein. Je piquerai un véhicule et je reviens. Alors. Je vais juste. Hop, excusez-moi, je mets juste mon truc. Ok. Énorme. Énormissime, les gars. C'était ouf. C'était ouf aujourd'hui. Tu relives après Top Chef, je sais pas, je serais peut-être un petit peu trop fatigué. Je relancerai mon live demain, probablement. Pour faire quasi uniquement peut-être la petite soirée Top Gun, ça peut être rigolo. Moi je vais vous souhaiter à tous de passer une excellente soirée là les gars, moi j'ai faim, ça fait longtemps que je live, j'ai envie de me reposer, je repasserai peut-être mais je liverai peut-être pas parce que je vais pas jouer très longtemps, donc voilà, si je joue pas pour au moins 2 heures généralement je lance pas un live. Bon bah The Baff est tombé dans la nuit, c'est quoi The Baff, qu'est-ce que vous appelez? Ah oui The Baff, ouais The Baff, il y a moyen que ça tombe dans la nuit. Il y a moyen, parce que là on a un front, on est sur 4 fronts, enfin, vous voulez voir à quoi ça ressemble? Voilà. Je vous montre un truc vite fait, voilà à quoi ça ressemble actuellement. Ça c'est la ville, on est là. Voilà. C'est la sauce dans laquelle ils sont actuellement. C'est vraiment la sauce dans laquelle ils sont actuellement dans la ville. Hein. Ils sont en mode... À l'aide! Ils sont partout! Et là, du coup, il y a un rouleau compresseur qui va arriver sur la ville. Et ça fait beaucoup là. Là, ça fait beaucoup. Ouais, ils sont pas bien. Bah, en fait, regardez, hein, on a pris au fur et à mesure les petits points. On est arrivé par Loggerhead, ici. On a push à droite. On a pris le deuxième pont ici. On en avait un de base là, deux ponts. On a pris un deuxième pont là. Ça a push en bas. On a pris un troisième pont ici. On a push Bootnap. On a un quatrième pont, du coup, maintenant qui est ouvert ici. Donc là ça va seulement faire, ça va s'écraser sur The Bass et on aura le Costa Gun pour nous et ça c'est incroyable. Trop lourd ce jeu, quel jeu de fou. C'était incroyable de live ce jeu aujourd'hui, vous avez comme d'hab été exceptionnellement cool dans le chat, toujours autant de sympathie. J'ai eu l'impression de par l'activité que vous étiez très nombreux et rien que ça me fait plaisir, ou alors en tout cas juste très actif, ça me fait très plaisir. Et un jeu qui vous plaît, un jeu qui me plaît et on passe des bons moments. Je suis content de pouvoir jouer avec vous à ce jeu parce que mine de rien, je fais des rencontres et de gens très cool avec qui je m'amuse bien. Et environ 2K, c'est dingue, hein. Franchement c'est dingue.